C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24. RFi. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine. Bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Sarah El Hayri. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre délégué chargé de l'enfance et de la jeunesse et des familles. Donc, euh, en 2023, le déficit public s'est élevé à 5,5% 5 ,5 du PIB, soit 150 milliards d'euros. Le gouvernement va devoir faire des choix difficiles, il va falloir tailler dans les, dans les dépenses. Est-ce que votre ministère risque d'en pâtir Vous savez, euh, l'enjeu qui est le nôtre, c'est de bien sûr faire des économies nécessaires parce que l'argent public, c'est l'argent des Français. Euh, il se trouve qu'il y a des priorités. La priorité de la famille euh, est préservée. Parce que plus que jamais, ce qu'on construit, ce qu'on bâtit, c'est pour nos enfants. Oui. Et donc, accompagner, par exemple, le développement du service public de la petite enfance reste une priorité. Il n'y aura pas de sujet de coupe budgétaire. Ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit plutôt en économie possible oui. pour ne pas, d'une certaine manière, donner en héritage à nos enfants eh bien, une dette qui deviendrait insoutenable pour eux. Et finalement, une franche phrasie Notamment sur l'aide sociale à l'enfance, puisqu'on voit qu'en ce moment, on va en parler dans quelques instants. Il euh, y a euh, des, euh, des, des problèmes euh, graves, importants. On est en train de vivre euh, un moment, peut-être, euh, d'une crise euh, comme on n'a jamais eu pour le, la protection de l'enfance, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'être protégés, d'être accueillis. D'une certaine manière, on se dit, mais pourquoi notre société amène à ça Et en même temps, peut-être qu'il y a aussi plus de professionnels qui alertent, qui signalent. Et du coup, on doit mettre en protection ces enfants il y a aussi euh, une crise celle de l'attractivité des métiers mmh. qui accompagnent la protection mmh. de l'enfance. il nous manque beaucoup de professionnels des éducateurs des, euh, des spécialistes des psychologues pour accompagner ces enfants et c'est pour ça que un des enjeux. Un des principaux à mes yeux, c'est de permettre d'apporter des réponses très immédiates avec le soutien des associations, avec le soutien des départements qui ont euh, la responsabilité de cet accueil sur, le, sur les territoires. Alors on fait quoi concrètement on, on, va on, rentrer, retrouve... on va rentrer un non. peu dans le détail de ces sujets dans un instant, mais d'un mot sur la question des moyens. Vous dites qu'il n'y aura pas de coûts budgétaires pour vos activités. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir suffisamment de moyens pour mener la politique de l'enfance, la politique sociale que vous aimeriez mener, ou est-ce qu'il en faudrait plus Sincèrement, nous avons un, un budget qui nous permet d'investir, d'investir sur le service public de la petite enfance. C'est 6 milliards d'euros d'ici euh, 2027 qui sont investis. J'ai des trajectoires qui me permettent d'avoir des moyens. Mais je suis aussi euh, très consciencieuse, parce que c'est de l'argent public et c'est de l'argent des Français. Donc il faut investir. Et puis parfois, il faut se poser des questions, c'est vrai, sur peut-être des dispositifs qui ne marchent pas bien ou qu'il faudrait euh, faire évoluer pour avoir plus d'efficacité. Moi, je, je n'ai aucun tabou à la bonne gestion de l'argent public. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui est rare et encore plus en ce moment. Mais oui, je considère qu'on a les moyens et qu'il faut aussi mobiliser l'ensemble des moyens autour de nous. Moi, j'invite les entreprises, par exemple, à participer à la création aussi de crèches entreprises, parce qu'ils en ont les moyens aussi et que chacun doit prendre sa part. Les collectivités investissent. Mais tout ce qu'on fait, tout ce pays qu'on essaye de construire, de le renforcer, on le fait pour qui on le fait pour que nos enfants soient dans un pays en sécurité, pour que nos enfants aient une école de qualité et que demain, ils aient finalement ouais. des métiers qui les rendent heureux. Mais, mais justement, paye... correctement. Le, le, le problème français, c'est qu'il y a beaucoup d'argent public. Euh... Mais est-ce qu'il est mal distribué Est-ce qu'il est mal utilisé il faut, avoir, euh, il faut dire les choses. On a un pays qui, depuis 50 ans, en réalité, est en déficit. Euh, sur les dernières années, il n'y a que deux années où on est passé en dessous de la barre des 3%. Ouais. C'était 2017-2019, sous la présidence du président de la République, Emmanuel Macron. Mais alors, est-ce que c'est suffisant non, moi je crois qu'il y a des investissements vous et des dettes sûr, qui sont bonnes. Sûr, vous êtes sûr de ce chiffre En 2019, on était en dessous de 3 de l'économie. Exactement, entre 2017 et 2019, c'est les deux seules années sur les 50 dernières années où on est mmh. passé en dessous de la barre des 3. Oui. Le seul point qui est pour moi important, c'est qu'il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Ça, c'est vrai. La bonne dette, c'est de la dette d'investissement pour l'hôpital, pour l'école, euh, qui permet euh, finalement de construire cette euh, souveraineté ou industrielle aussi en réinvestissant pour avoir des emplois. Et puis, parfois, il y a de la mauvaise dette. Et la mauvaise dette, c'est quoi Eh bien, c'est euh, parfois euh, de la dette de fonctionnement qu'on a du mal, euh, on a du mal mmh. à en sortir. Et puis, il y a eu des moments, il faut dire les choses telles que nous les avons vécues, où l'État s'est endetté, mais parce que c'était nécessaire. Je pense en particulier à la période du Covid, où l'État était très protecteur, ou encore la protection après la crise ukrainienne et la protection sur le bouclier tarifaire. Alors, je voudrais qu'on reparle de l'aide à l'enfance. Euh, en 2022, le Parlement avait voté une loi prévoyant l'interdiction, au 1er février 2024, des placements de jeunes euh, en situation de, de solitude de difficultés dans des hôtels, sauf à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer une mise à l'abri des mineurs. Il y a eu plusieurs morts tragiques des de drames. jeunes placés dans des hôtels, dont la dernière, une jeune fille de 15 ans qui s'est suicidée. De quoi est-ce la faillite Il y a eu des drames. Et moi, je ne veux pas et je m'habituerai pas à voir des enfants perdre la vie ou se pas se trouver suffisamment accompagné et se retrouver finalement dans un grand âge... Et ça, c'est lié au manque de moyens C'est lié peut-être à un manque de coordination, un manque de soutien plus spécifique. Il faut apporter des réponses. Mais je suis la ministre qui a sorti le décret, qui a interdit aujourd'hui, finalement, à des enfants, à des jeunes, qui sont sous la protection des départements, de se retrouver dans des hôtels seuls. Je suis la ministre qui a sorti ce décret il y a à peine un mois. Ça faisait deux ans qu'il était en travail. Il y a des exceptions dans ce décret, c'est vrai. Ces exceptions, elles sont nécessaires, je pense en particulier au fait qu'on ne peut plus, si on a moins de 16 ans, de se retrouver dans un hôtel. Ce n'est pas la place d'un enfant. Mmh. On ne peut plus rester seul. Il faut absolument avoir quelqu'un 24 heures sur 24. Et puis, si on est un enfant en situation de handicap, la place n'est pas à l'hôtel, soyons très clairs. Donc, on ne peut plus utiliser les hôtels comme un lieu où euh, on accueille des enfants de manière pérenne. C'est interdit, ça ne pourra plus jamais dépasser deux mois. Et jamais un enfant de moins de 16 ans est jamais seul. Alors. Euh, pourquoi ça a pris autant de temps Parce que ces réponses, elles devaient être construites aussi avec les départements, et avec les associations. Mais je crois que ça va dans le bon sens. Un enfant, sa place n'est pas à l'hôtel. Euh, une commission d'enquête parlementaire sur les défaillances de l'aide sociale à l'enfance devrait voir le jour. Elle a été demandée par plusieurs groupes. Euh, notamment les socialistes, mais aussi le Rassemblement national. Elle devrait voir le jour en mai prochain. Est-ce que le travail d'une commission d'enquête comme celle-là euh, pourrait vous aider Moi, je crois euh, à la qualité des travaux parlementaires. Je suis moi-même député, j'ai été élu euh, et puis réélu sur mon territoire. Et je considère que quand euh, les parlementaires se saisissent d'un sujet, oui, c'est pour le faire avancer. Cette commission d'enquête, elle mettra peut-être en lumière des, 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 des propositions, des, des, des pistes, peut-être des fragilités spécifiques. La réalité, c'est que dès mon arrivée, j'ai souhaité mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de cette protection de l'enfance. La priorité doit être l'intérêt des enfants. Et aujourd'hui, on voit... Que les enfants ont des besoins différents. Il y a des enfants qui vont bien, mais qui ont des parents qui ne sont pas à la hauteur et qui ont besoin d'être protégés. On voit des enfants qui sont en situation de handicap mmh. et qui, pour le coup, leur place parfois n'est pas au sein de l'aide sociale à l'enfance, mais au sein d'instituts médicaux sociaux, parce qu'ils ont besoin de cet accompagnement. À peu près 30% des enfants aujourd'hui accueillis au sein de l'aide sociale à l'enfance sont en situation de handicap. Et donc, autour de la table, j'ai la chance parce que ce ministère, pour une fois, eh bien, il sort des silos, des idées de, de, de chacun, reste dans son périmètre. Il pense l'enfant. L'enfant, il soutient la parentalité. Alors, pour sortir de cette crise, il faut recréer de l'attractivité. C'est pour alors, ça que je travaille sur les métiers. Oui. Justement, oui, à ce sujet, parce que mais c'est pas nouveau. Je me souviens d'en avoir parlé avec euh, Charlotte Cobel qui était au poste que vous occupez aujourd'hui euh, il y a pas si longtemps. Euh, comment fait-on alors pour rendre de nouveau tous ces métiers liés à l'enfance euh, plus attractifs Écoutez, d'abord en améliorant les conditions de travail. Moi, je vois des professionnels qui sont passionnés. Hein. Enfin, s'ils partent, ouais. c'est parce que parfois ils sont fatigués, voire épuisés. Oui, et ça doit rester. Ça doit rester un métier sur lequel, euh, eh bien, on a de la possibilité de passerelle, de progression professionnelle, de rémunération à la hauteur. Maintenant, il y a aussi un enjeu, et je pense qu'il faut le poser, qui est quelle est la mission de la protection de l'enfance La mission de la protection de l'enfance, elle va de l'accueil, de, de l'accueil la, de social, jusqu'à la substitution parentale. Euh, un enfant de moins de 3 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un jeune adolescent. Et donc il faut qu'on puisse apporter des réponses à l'ensemble de ces tranches d'âge. C'est pour ça qu'une de mes priorités, ça va être d'accompagner le recrutement massif, une grande campagne de recrutement des familles d'accueil, des assistants familiaux. Un enfant, il sera jamais mieux que euh, dans un foyer, dans un foyer qui l'accompagne, mais ces assistants familiaux et ces familles d'accueil sont des professionnels il y a des choses qui sont pour moi des, Sans des hérésies. Euh, si, il y a, si bien si, sûr si, il y a un accompagnement si, si. financier oui. ce sont des professionnels mais il y a une, une chose moi, qui, qui m'a rendue euh, profondément dans l'incompréhension. aujourd'hui on interdit par exemple aux assistants familiaux d'avoir un autre travail à temps partiel par exemple mais je ne trouve pas ça logique. on doit permettre en fonction de la situation de l'enfant parce que ils n'ont pas tous le même besoin mmh. le même degré d'autonomie de permettre d'avoir demain des assistants familiaux et des familles d'accueil dans tous les foyers français qui le souhaiteraient, accompagnés bien sûr, formés toujours, intégrés dans les équipes pluridisciplinaires, mais on ne peut pas rester dans une lecture et une vision des années 60, aujourd'hui les besoins ils ont changé, les familles françaises ont changé et les enfants doivent rester la priorité. Pour ça, il faut construire des foyers, ouais. mais il faut aussi permettre aux assistants familiaux d'accueillir en nombre et d'accompagner aussi ce qu'on appelle un accompagnement éducatif, parfois à domicile, mais de manière très intensive. Il faut plusieurs réponses parce qu'il y a plusieurs situations et il ne faut plus être, je veux dire, obsédé par la construction exclusivement de foyers. – Alors, autre sujet qui vous préoccupe beaucoup, c'est la prostitution des, des, des mineurs, hein, puisque c'est un, un phénomène qui est grandissant. Comment vous l'expliquez, vous ce phénomène Et surtout, par quels moyens vous, vous luttez contre Aujourd'hui, je voulais briser le tabou de la prostitution des mineurs. Aujourd'hui, un enfant mineur qui se prostitue est un enfant en danger, qu'il en ait conscience ou pas. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'aujourd'hui, euh, un enfant sur deux qui se prostitue euh, ne, ne considère, considère que ce n'est pas quelque chose de grave et qu'il n'est pas en danger. Et c'est pour ça que je dis... Mais bon, c'est pour des raisons, pardon, c'est souvent pour des raisons... Financière Non, pas spécialement, pas spécialement plus spécialement. maintenant, et c'est peut-être ça le nouveau drame. Ouais. C'est parce qu'il y a historiquement dans notre pays de la traite humaine, des passeurs, des réseaux qui mettent euh, principalement des jeunes filles à la rue et qui les exploitent, c'est de la traite humaine. Il y a malheureusement parfois la pauvreté qui amènent euh, certains, euh, certains, euh, certains jeunes, en général pas mineurs, mais des jeunes, à se prostituer. Oui, mais souvent dans les milieux aussi. Il y et y a par contre, exactement. Même. Et là où moi je voulais alerter toutes les familles françaises, c'est dire attention, la prostitution aujourd'hui, elle peut toucher tout le monde, toutes les classes sociales et tous les territoires. On a l'arrivée de nouveaux outils sur Internet. Je pense à des plateformes, par exemple, euh, comme OnlyFans où, euh, eh bien ça hypersexualise ça euh, on a euh, la possibilité de vendre euh, une vidéo euh, de nu ou euh, des images ou des photos et finalement c'est une sorte de prostitution qui commence par le numérique avant de créer des engrenages et ça si on en parle Mais qu'est-ce qui en fait famille, qu y, que des, des jeunes y cèdent parce que aujourd'hui on a euh, d'une certaine manière dans notre pays euh, une hypersexualisation des enfants on a aussi l'arrivée du numérique euh, qui euh, est assez sauvage si elle n'est pas accompagnée dans les familles. Des parents euh, très investis, mais parfois dépassés, parce qu'ils ne savent pas ou ils ne voient pas ça se passer. On voit aussi euh, euh, l'arrivée et les drames que fait le porno, la pornographie, mmh. et la relation au, à, la, à la pornographie très jeune. Vous savez, en France, euh, la moyenne d'âge, euh, c'est 13 ans un enfant autour de 13 ans voit ses premières images. Et donc, on a une relation à la relation sexuelle qui est de plus en plus Banalisé. dramatique et banalisée. Mmh. Et donc, face à ça, on voit des drames. Et c'est pour ça que j'alerte, la relation n'est pas... Une relation tarifée n'est pas une relation euh, normale. Quand vous dites j'alerte, ça veut dire qu'il y a des campagnes il y a des... Tout à fait, oui. il y a une grande campagne, il d'ailleurs un plan qui a... où on investit 14 millions d'euros pour faire des campagnes euh, d'abord euh, au ouais, sein des écoles, ces campagnes Parce que je les... euh, euh, principalement dans les écoles puisque c'est les, les enfants les qui sont euh, alertés, ça s'appelle Je Gère, mais c'est aussi euh, par exemple le renforcement du 119, 24 heures sur 24, gratuit. Si on est témoin, si on est parent, il faut pas il faut faut pas avoir honte. Il faut accompagner, il faut se faire accompagner, on peut appeler le 119, il y aura des professionnels pour aider. Ce n'est pas ce n'est pas un drame. Il faut surtout briser le tabou du silence. Et c'est pas facile, je sais, mais on peut profiter de ces longs week-ends pour en parler en famille. Votre ministère, Sarah El-Airi, est sous une triple tutelle, mais notamment sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Or, plusieurs lycées de France ont reçu des messages d'attentats qui sont pris au sérieux par les services de sécurité. Vous êtes la ministre donc de l'Enfance et des Familles. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux familles, précisément, de ces élèves qui peuvent légitimement être très inquiètes D'abord, euh, la première des choses, c'est que je sais qu'un euh, certain nombre de messages ont été envoyés, que des enfants et des adolescents ont vu ces messages parce que sur euh, leur plateforme mmh. euh, où ils font des devoirs normalement, oui. il faut en parler. Déjà, savoir si on l'a reçu ou on ne l'a pas reçu. Ensuite, la France lutte contre le terrorisme depuis euh, toujours, et pas spécialement depuis notre gouvernement. Aujourd'hui, il y a une menace qui est plus élevée, et donc nous avons rehaussé la protection. Mmh. Mmh. Plus de 4000 euh, militaires et forces de sécurité intérieure, donc de policiers et de gendarmes, sont autour de nos écoles renforce les gares, renforce les centres-villes, les centres commerciaux parce que oui, il y a un risque attentat qui est au plus élevé qu'on ait connu. Deux attentats ont été déjoués depuis le début de l'année. 45 attentats ont été déjoués depuis euh, 2017. Pourquoi Parce qu'on lutte contre l'islamisme, parce qu'on lutte contre finalement les ennemis de nos valeurs, c'est vrai, et la France est mobilisée. On a plus de 3000 personnes qui pourront venir renforcer euh, les dispositifs sentinelle en moins de 12 heures si on a besoin. Maintenant, soyons honnêtes, ces messages ont créé beaucoup de troubles. Il y a des enfants qui ont peur parce qu'ils ont lu ces messages, parce qu'ils ont vu ces vidéos. Euh, il y a un accompagnement qui sera fait également dans les écoles et on renforce aussi les outils numériques parce que faut pas se leurrer. Ces messages, ils avaient vocation à créer la terreur, la terreur dans les familles et la terreur dans ces sanctuaires qui sont précieux, l'école. On a malheureusement connu des drames. Je pense bien sûr à Dominique Bernard, à Samuel Paty. Il faut pas oublier que c'est contre nos valeurs que les terroristes aujourd'hui nous combattent et nous font, euh, oui, la guerre. Un groupe de sénateurs LR a remis il y a quelques jours un rapport sur la transidentité des mineurs. Euh, les sénateurs s'interrogent sur les causes de ce qu'ils appellent la, la, la hausse croissante des demandes de changement de sexe chez les enfants et les adolescents. Ils devraient faire prochainement une proposition de loi visant à interdire euh, tout traitement médical ou chirurgie avant 18 ans. Comment vous accueillez cette démarche Je crois que personne n'a une vérité pleine et entière. C'est un sujet qui est c'est vrai très médical parce que la question ce sont des médicaments. Je fais confiance aujourd'hui aux spécialistes, aux médecins pour accompagner d'abord parfois la douleur d'enfants qui se sentent pas nés dans le bon corps, dans la bonne identité. Mmh. Je comprends aussi que les enfants aujourd'hui, ils sont à accompagner, à protéger avec leur famille. Donc je pourrais pas m'exprimer spécialement sur cette proposition mmh. de loi. Je pense que les travaux sont étayés, mais c'est une discussion à avoir avec des médecins, des spécialistes. Mmh. Euh, J'imagine la douleur euh, parfois dans une famille, pour accompagner, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on voit parfois son enfant qui n'est pas heureux. La question, c'est la réversibilité aussi des. Mais la loi interdit aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. aujourd la loi interdit mmh. le, la, le, des actes qui seraient irréversibles mmh. chez des enfants. C'est une loi qui est protectrice en France. Et il reste un peu moins de minutes, peut-être un petit mot sur les, sur les micro-crèches, Roselyne Oui, les micro-crèches. Vous avez annoncé le lancement d'une mission de contrôle des micro-crèches pour lutter contre les risques de maltraitance. En 2023, un rapport de l'inspection générale des affaires sociales dénonçait des maltraitances sur les enfants dans certaines crèches. Vous avez des raisons de penser que ces micro-crèches sont particulièrement coupables de maltraitance Moi, je n'attendrai pas de drame euh, ou de scandale à la ORPEA pour agir. L'ORPEA, c'était un groupe qui contrôlait des EHPAD, hein, Tout comme, à fait. qui en contrôle encore oui. d'ailleurs. Euh... Et, et, l... donc, donc vous êtes vigilante Moi, je suis particulièrement vigilante. Je souhaite pour une fois qu'on fasse une grande campagne de prévention et de contrôle en amont. On a fait évoluer la loi grâce à ce rapport. Et donc aujourd'hui, j'ai la possibilité de saisir des inspecteurs et de faire des contrôles, Massif, c'est vrai, XXL. Ouais. Pourquoi Parce que quand on dépose XXL, un enfant. oui, c'est le mot de, oui, le mot <laughs> de la journée. De... Mais, de euh, moment, mais moment, euh, moment. pourquoi je vous dis ça Parce que euh, aujourd'hui, on a la possibilité, grâce à ce que la loi me permet aujourd'hui, eh de ne pas attendre et de finalement construire une, une société de la confiance. Je dois mettre en place le service public de la petite enfance. Une place, qu'elle soit euh, une place de garde à prix raisonnable et de qualité partout. Je ne ferai pas ces créations. En euh, prenant le risque qu'elle ne soit pas de qualité. Un enfant, euh, quand, ouais. il est de, quand il est à la crèche, il ne parle pas. Il ne peut pas raconter ouais. à ses parents ce qui se passe. Et donc, c'est à nous de les protéger. Et donc, euh, je suis heureuse que cette campagne, elle soit faite. Quand on n'a rien à cacher, on n'a pas peur de contrôle. Merci, Sarah Allery, Merci. Oui, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de France 24 RFI. Merci à Flor Simon et à Sigrid Azeroyle. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.